Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième partie de Pokémon Source 2. On est là. Bon, l'équipe a pas trop changé. On avait fait la traversée des... je me souviens plus le nom. Mais des... Comment elle s'appelait cette zone? Les bois... Deep Soil Field Lands. Ou juste avant, Deep Soil Woods. Les bois de Deep Soil, bon. On est arrivé ici, Alja Mountain. Et on doit rejoindre... On doit rejoindre qui déjà? On doit rejoindre Yara. Je crois qu'elle nous a, voilà, elle nous a promis, elle nous attend dans la ville suivante. Et elle nous a promis un combat un peu spécial. C'est un combat de rank up en anglais. Un combat pour monter de rang dans la police internationale. Et on va tout faire évidemment pour mériter ce titre. Faut pas qu'il ait d'attaque roche, lui, sinon on serait un petit peu embêté. Bon, ça a l'air d'aller. On n'est pas super sur les niveaux. J'avais essayé de... Qu'est-ce que... La vitesse qui augmente. J'avais essayé de... J'ai fait un tout petit peu d'entraînement, j'ai fait un dresseur et un ou deux Pokémon sauvages. Mais ça n'a pas suffi. On verra bien. Rapid spin. Ça, on devrait s'en sortir. Il va monter niveau 10. Je suis pas du tout sûr qu'on soit réellement à la hauteur. Non, il met du temps à monter niveau de Yara. Parce qu'à mon avis, elle va pas avoir, deux Pokémon. Ça va peut-être être KO. Non, ça va. Non, on va continuer avec la mèche. Elle va pas avoir que deux Pokémon qu'on pourrait rapidement se débarrasser. Non, non, on n'est pas très très bon. Ça enlève les augmentations, enfin les changements de stats. Non, je pense que non. On va retourner se soigner. Puis on retourne sur la route. On verra si, comment ça se passe. Donc voilà, là on doit être sur la zone montagneuse juste avant la ville en elle-même, qui est notre objectif. Et on peut pas atteindre ces zones pour l'instant. Je pense qu'on est sur la dernière vidéo. Il doit être un dresseur Pokémon, ça veut dire que nous allons combattre. Alors ça, ça a l'air d'être le costume des gens qu'on a vu dans le bois juste avant. Ah non, Ace Trainer. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Ça devrait être la fin de... Voilà, de la découverte de ce jeu. Après, je pense normalement, après cet épisode 3. C'est compliqué. C'est... Enfin, voilà, j'ai tellement hâte de la suite... Ça va être, avec le travail qui a été fait là déjà, ça donne un bon aperçu. Il y a eu quelques mini-bugs. Enfin, mini-bugs. Il y a eu des bugs dans l'épisode précédent, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Ça, c'est une démo. Ça va être réparé. Il laisse quand même apercevoir tout ce qu'il est capable de faire. Il utilise tout son talent. Ça c'est incroyable. Non, j'aime beaucoup cette petite découverte. C'est plein de petits ajouts, mais les nouveaux décors, les petites fonctionnalités nouvelles, les petits bonhommes qu'on voit quand on leur parle. Les Pokéni sont seulement trouvés sur les collines, sur les falaises. Elles peuvent se cacher entre les arbres. Ah oui, c'est pas seulement entre les arbres. C'est pas seulement sur les collines et falaises, c'est également entre les arbres. Ok. Celui qui perd doit se jeter dans l'eau. Ok. On va dire qu'on fait pas ça. Ok. Et on termine. Très bien. Pikachu. On les faiblit vite fait. Bon, on va surtout le soigner. On a toujours que ça comme attaque. Après, on lui a pas fait monter un niveau. Ce qu'on peut faire avec lui, est-ce qu'on aura le temps de l'attaquer une fois? Non. Et il fait la mèche. Un peu mal. Tant qu'on n'est pas paralysé, ça va. C'est bon. On le re-soigne. On pourrait remonter au centre Pokémon précédent, mais. Au centre Pokémon du passage entre les Deep Soil bois, enfin la forêt Deep Soil et ici. Il y avait quelqu'un qui nous soignait. Ok, faut vite mettre KO. Ah mais c'est peut-être pour les PP que j'aurais besoin. Bon, on va voir.
Narive, traîneur, conseil de dresseur. Alors, j'ai l'impression que la suite pourrait être là, mais on avait peut-être un chemin par ici, non? Non, pas grand-chose. Ok, on est quand même niveau 11. Est-ce qu'on a nos chances contre... Comment je peux pas m'échapper contre lui? Ah, merci. Je sais pas si on a nos chances contre Yara. On verra bien. Le froid me rend... je sais pas, j'ai pas lu. Je suis passé un peu vite sur ça. Ah, il me reste 9. C'est pas énorme. Pancham. Mais il faut que j'utilise. Ah, il est brûlé très bien. Quand on peut économiser, on économise un PP, mais quand même, il faut qu'on arrive en vie. Peut-être que avant de nous affronter, elle nous permettra de nous soigner. Ça serait extrêmement gentil. Ok, une zone qu'on ne peut pas atteindre pour le moment. Kupchu. Voilà, pareil. Pas trop le choix. Hein. Charge. Ouais. On peut économiser un flamèche comme ça. Alors on peut descendre. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. C'est pas on peut, c'est on doit descendre. Lui nous dit juste que c'est pas disponible pour l'instant. Ouais. Ok. Bonjour. J'utilise mes sens psychiques pour réchauffer mon corps. Ok. Lui, on n'aura pas besoin d'utiliser Flamèche, je pense. Parfait. Un petit niveau 12 avant d'affronter Yara, ça aurait été pas mal. Ah, mais il y a encore un dresseur. La ville est proche, mais mon humble victoire l'est encore plus. Ok, est-ce qu'en 6... Hey. C'est un peu situation de merde, ça. Ah, purée, c'est sûr, je vais être KO. Franchement, les Pokémon qui ont roulade dès le début, vraiment pas drôle. Hein. Ah, il faut refaire tout le chemin. Je suis un peu dégoûté quand même. De devoir tout refaire. On a peut-être quelques repousses qui nous restent. Ouais, j'ai déjà oublié le chemin. Non, ça c'était pas un chemin important, je crois. Alors, on va tout de suite mettre les repousses. J'en ai encore 10. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans ça. Et. C'est quel dresseur qui doit pas nous voir surtout. C'est vers la fin, c'est pas tout de suite, tout de suite. Oui. Ouais, c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est un gars qui a un. Non, c'est pas elle. C'est un gars qui a un. Je sais plus quel Pokémon. Vénipat qui a aussi roulade. Ok. C'est bon, tout va bien. On est de retour ici. Par où est-ce qu'on est passé déjà? Faut juste qu'on évite. Attends, je sauvegarde comme ça, je n'aurai pas à refaire le chemin. Faut juste qu'on évite ce gars cette fois. On était parti par là-bas. Oui, repousse, repousse. De toute façon, on est sur la fin de la démo. Donc, on n'est pas forcément. Oh, il y a un objet ici. On n'est pas forcément à chercher les économies. Alors qu'on va. Qu'on refera. Parce que si la version définitive sort un jour, évidemment que je la ferai en jeu. Oh, non, c'est pas lui qu'il fallait éviter à tout prix. Attends, là on est de retour ici, je vais sauvegarder. On prendra, je ferai plus attention, je les entraînerai un peu mieux. Mais là c'est une petite découverte, on essaye d'aller vite. Enfin, d'aller vite, non, de prendre le temps, non, si on peut l'éviter lui. Jasno Ridge est assez proche, je peux voir les lumières d'ici. Ok, on arrive à Jasno Ridge. On va se soigner pour quelque sorte sauvegarder. Mince. Quelque sorte sauvegarder l'endroit. Là, on va s'acheter des eaux fraîches. Je sais pas quel combat nous attend, mais il vaut mieux avoir de quoi se doper. Les centres Pokémon sont toujours si chaleureux, même dans les endroits comme celui-ci. Je suis un voyageur comme toi. Je me repose un peu avant d'embarquer pour mon prochain voyage, prochaine randonnée. Jasno Ridge est une ville qu'on dit avoir été établie par les personnes qui vivaient dans les caves. Est-ce que la ville est si vieille? Ok. Il y a.
Ah, on peut les récupérer là-bas, mais il faut passer devant le gars qui nous a défoncé tout à l'heure. Yara est ici. Comment tu peux tenir dans ce froid avec un simple t-shirt? Ah, tu. Ok. Tiens, on va aller voir lui. Et toi, tu as l'air quelqu'un qui aime les aventures. Je conduis des recherches sur la vie des fleurs en Arctique et dans les zones froides. J'ai entendu parler d'une espèce spécifique de fleurs qui brille en jaune et qui pousse au nord d'ici. Je ne suis pas un dresseur Pokémon, donc je ne peux pas simplement traverser l'herbe. Est-ce que tu m'aideras? Oui, merci. Est-ce que je l'ai... Non, je l'ai pas... Je me demandais si je l'avais attrapé, peut-être par erreur. Il fait froid, mais pas assez froid pour geler cet étang. Pour certaines raisons, la Potos Valley est bien plus chaude, même si elle est proche. Je n'ai aucune idée de pourquoi les gens n'ont pas pu s'installer un tout petit peu plus à l'ouest. Ah oui, s'il y a une zone chaude assez proche, pourquoi ils sont restés là? Parce que tu savais, il y a longtemps, certains Pokémon évoluaient seulement s'ils étaient échangés. Imagine que tu dois avoir des interactions sociales juste pour avoir un Pokémon cool. Je recherche Nintendo. Okay. Ah, quand c'est rouge comme ça et noir, c'est un échange. Et quand c'est quoi? C'était une petite bulle blanche. Ça, avec un point d'exclamation, on est sur des quêtes. Le chauffage central, c'est super. Pas besoin d'aller couper du bois tous les jours. Enfin, papa est fasciné par la manière dont Eclipse Co. Pro nous approvisionne en énergie. Ok. Ok, je fouille un petit peu. Nous sommes au sommet du mont Matelaine. On le considère comme le centre de Hacklin, puisqu'elle partage cette région. Ok. Bonjour, voyageur. Est-ce que tu aimes bien Ajasno Ridge? Hubby aime vraiment demander aux étrangers s'ils aiment cet endroit. C'est cool, hein. Voilà, un clipon, c'est vraiment un bon truc. Mais on y déménagera bientôt. Ah, ils sont en vacances. Toi, est-ce qu'on t'a parlé? Oui. Le métro. Non, on va rester ici de toute façon. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hey, au saumon, est-ce que tu es prêt à faire ton premier combat de rang? Oui. Es-tu nerveux, saumon? Ouais. Il est temps de voir comment ça se déroule, un combat de rang. Bien. Parce que je vais pas me retenir, puisque même si tu es rang 1. Bon, est-ce qu'on va réussir ça? Est-ce qu'on va réussir ce premier combat de rang? Déjà, il y a deux Pokémon. Un Timbour, niveau 9. Et ça va, hein, si des gens ont réussi à le brûler. Oh oui, il enlève. Tepig. Tepig, alors, il va me faire quoi de toute façon? Il peut pas me faire d'attaque feu puisque ça augmenterait ma puissance. Ok, on va lui baisser. On va lui baisser tout ça. On va mettre Magikarp un coup, puisque j'ai eu la défense baissée. Ah non, j'ai eu rugissement. Et gros yeux. Ah, il l'a changé juste pour plus avoir le problème de stats, peut-être. Ben écoute, ouais, mais moi, KO. Pidove, est-ce que tu auras le temps de faire quelque chose? Ok, tu auras le temps de faire quelques dégâts. Tu survis à ça? Ouais, bien, bien. Pas terrible en termes de dégâts, c'est sûr. Ah, oh là, on va faire une attaque super efficace. Donc peut-être ce sera à peine plus intéressant. Ouais, c'est pas mal. Pound, bon là, c'est terminé. Avec Zigzaton, on va essayer de faire ce qu'on peut. Un petit Tail Whip. Voilà, il change encore. Charge. On est KO ou pas? Non, on survit un petit peu. Ouais, on fait un petit peu de dégâts. Il change, donc on va faire encore des petits dégâts qui sont bons à prendre quand même sur Timber. Ok, on le met dans le jaune. Ah purée, il se met une potion. Je pense qu'il va changer. À mon avis, il va changer de Pokémon. Il le fait tous les deux tours. En gros, ils le mettent, ils font une attaque ou ils font une action. Et il change ensuite. Donc on va simplement attaquer. Parce que c'est pas toujours très utile d'attendre de faire une attaque de statue. Là il va changer. De faire une attaque de statue puis d'attaquer. C'est pas toujours très utile. Ok.
Non, il va attaquer là. Ah, il a quand même low kick. Ok. Donc là, le prochain coup, il change de Pokémon. Il va remettre Tepig. Donc, on va faire gros yeux. Pour pouvoir faire un charge. Ouais, pour pouvoir faire un charge. Là, il va faire un truc normalement. Voilà, et bon, il fait rugissement, un peu nul. Mais c'est-à-dire que c'est un peu embêtant quand même. Là, il va changer, on va faire Flamèche. Ouais, c'est un peu embêtant parce qu'on va faire pas beaucoup de dégâts et on peut plus échanger avec un autre Pokémon pour réinitialiser nos stats. Si on avait pu le brûler, ça aurait été sympa. On refait Ember, évidemment. On le brûle, ça c'est excellent, il pourra pas l'enlever cette brûlure. Les gros yeux, c'est un peu inquiétant. On va parce qu'il va changer, on va faire charge. C'est pas grave si j'en remets quand il va remettre le ouvrifier, j'ai oublié son nom en français. Il va forcément avoir le dégât de brûlure. Et si on peut réussir à l'apeurer, il va forcément avoir le dégât de brûlure. Donc normalement c'est dans la poche. On va continuer avec charge. Là il le rechange. Ouais, la stratégie d'Irla, pas terrible. Ouais, même, il aurait même pas le temps d'avoir le dégât de brûlure. Ah si, quand même. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il allait avoir le dégât de brûlure sans nous faire de dégâts juste avant. Tepig, normalement, je vois pas comment on pourrait perdre. Je vois pas trop comment on pourrait perdre. Même s'il nous attaque, j'ai quand même un peu peur. Flamèche resterait plus puissant, non? Ah, 10 de dégâts quand même. Faut qu'on attaque. Ouais, ok, je préfère ça plutôt qu'un charge. Allez! Pas de coup critique, s'il te plaît. Normalement, c'est bon. C'était complexe, hein. Mais on l'a fait. On l'a fait. Fire Spin. C'est pas Fire Wheel, c'est Fire Spin, mais ça peut être bien, je pense. Ça fait 35 de dégâts et après ça fait. Oui, à la place de. Je sais pas. La place d'étonnement. En vrai, la place d'étonnement. Ok, pas mauvais pour quelqu'un qui était au rang le plus bas. Eh, beau travail! Kai, tu l'as fait, tu l'as vraiment fait, Saumon. Désolé, papa, je voulais poursuivre ton héritage. Voilà, invincible. Pas de problème. Je ne suis pas sûr si c'est ce que je suis censé dire, mais désolé, tu t'es bien débrouillé, tu étais un adversaire fort. Non, ne le sois pas. Après tout, c'est mon coaching qui t'a amené jusque-là. D'ailleurs, tu as travaillé si dur pour ça et tu m'as même battu. Je pense que c'est plus que mérité. Et là, on monte. On monte de rang, c'est beau. On a appelé. Sillery, on a eu un appel pour nous informer que tu avais pris part à un combat de rang contre Yara et que tu avais gagné. Félicitations. Je te promeus officiellement au rang de recrue, enfin de officier numéro 2. Très bien, c'est une très bonne nouvelle tout ça. Hey, officier, c'est moi, Taskier. Je t'amène quelque chose. Oui? Un Tortipousse? Petit cadeau? Mais ça a l'air d'être. Ah, c'est ton premier Pokémon de location. Ah, il va servir au repousse. Ça dépend de ton rang. Ils sont ici pour t'aider durant les missions avec des attaques de terrain. Très bien. Ça va être pour remplacer Coupe, alors. Ok, on peut utiliser le Coupe. Parfait. Je vais retourner au quartier général maintenant. Félicitations pour ton nouveau rang, officier. Les attaques de terrain sont nouvelles. Je ne savais pas qu'on les obtenait avec les rangs. Ah oui, j'ai oublié de t'en parler plus tôt. Ah bon. Parfois, ton Pokémon de location peut également évoluer. Ce qui veut dire des attaques de terrain plus puissantes. Donc continue, Saumon. Très bien. C'est très bien tout ça. Oui, on est une star hein, depuis qu'on a changé de rang.
C'est un message du quartier général, officier Saumon Yara. Des rapports depuis la ville d'Apoto City. Apparemment, quelque chose ne va pas au Apoto Mines. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe. En cas d'urgence, demandez du renfort. Une nouvelle mission? Très bien, Saumon. On doit y aller immédiatement. On va voir comment tu te débrouilles avec ton nouveau rang. Rends-toi à Apoto City et enquête dans les Apoto Mines. Ok. Eh bien, on va y aller tout de suite. On peut aller là. Les métros qui arrivent, super. La Poto City, c'est... Ah non, mais c'est là où on était, je suis bête. Non, mais ils vont pas accepter. Non, reviens là où on était. On fait le tour. On fait la boucle, finalement. À Poto, c'est cette zone là-bas. On a fini la tech démo de Pokémon Source 2. Merci d'avoir joué à cette courte démo. Si vous avez aimé ce à quoi vous avez joué, rejoignez le Discord du jeu. Ouais, très bien, je crois que j'y suis déjà, mais une démo plus longue va se... voilà, est attendue pour un peu plus tard. On se retrouve tous dans Pokémon Source 2. Ah, on peut pas. Bien, bah c'est terminé pour cette démo. J'étais très content d'y avoir joué. Ça promet des super choses. Que ça soit dans l'interaction avec les autres personnages. Moi, j'aime bien cette idée de rank. On est, entre guillemets, un peu tous au même niveau. On est tous des forces spéciales. C'est pas des ennemis, du coup, c'est des amis. On cherche pas à obtenir un badge. On veut protéger le monde et monter en rang. Non, je sais pas, je le sens un peu différent des badges d'arène, même si c'est ça, finalement. Il est beau, le jeu, il est très beau. Il y a des petites fonctionnalités super. Non, ça, et puis, il y en a d'autres qui vont être rajoutées. Ça va être top. Merci d'avoir regardé ce court let's play de Pokémon Source 2, cette découverte de Pokémon Source 2 Tech Demo. Puis on se retrouvera un jour pour la suite de ce jeu. Merci à tous. Ciao, ciao.